Vous avez brillamment accompli votre mission sur cette terre mythique de la Terre légendaire. Monsieur le recteur, monsieur le directeur, la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui fait partie de ces événements qui, à l'image de la cérémonie de rentrée solennelle, ponctue la vie de notre université. Cette cérémonie de remise de diplôme revêt des dimensions académiques, scientifiques et même sociales. Elle constitue non seulement un cadre d'échange entre étudiants récipiendaires et entreprises invitées, entre anciens étudiants et nouveaux, mais également de communion et de partage entre disciples et maîtres, entre parents et membres de la communauté universitaire aussi, constitue-t-elle sous ce rapport une véritable source d'émulation. C'est justement pour cette noble raison que nous avons porté notre choix de façon consensuelle et unanime sur une personnalité d'envergure au cursus académique et professionnel exceptionnel en la personne du professeur Isaac Yankovo Ndiaye. Ancien doyen de la faculté de sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et actuel vice-président du Conseil constitutionnel du Sénégal. Monsieur le doyen, en acceptant malgré les contraintes de temps et les obligations professionnelles qui pèsent sur vous de parrainer cette cérémonie, vous venez de réitérer votre attachement à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et votre considération certaine à l'égard de notre UFR. Monsieur le recteur, monsieur le directeur, mesdames et messieurs, je dois avouer qu'il est difficile de parler de la personnalité du professeur Isaac Yankovo Ndiaye. En fait, monsieur le doyen, je ne vais pas parler de vous, puisque le professeur Mayassine Ndiaye traitera votre personnalité avec beaucoup d'éloquence que je ne saurais le faire. En fait, monsieur le professeur, votre place dans l'enseignement supérieur est remarquable et la dimension académique et scientifique de votre personnalité incontestable. Vous êtes, monsieur le président, un homme de vocation et de conviction dont l'éloquence rivalise d'ardeur avec la pertinence. Ainsi, vos interventions à l'université Gaston Berger de Saint-Louis ont toujours été un festin intellectuel et une expérience humaine riche et mémorable. Nous sommes de ce fait très honorés de votre présence à Sanaa aujourd'hui. Aujourd'hui encore, nous étudiants, promotion 2012-2013, souhaitons-nous nous inspirer d'un modèle de réussite universitaire et d'un homme à l'humilité exemplaire comme vous, chers parrains. Oui, chers professeurs, vous êtes un symbole vivant de l'intelligentsia sénégalaise dont la rigueur scientifique et l'humilité intellectuelle n'est plus à démontrer. La promotion 2012-2013 vous rend en ce jour solennel un vibrant hommage et vous témoigne toute sa gratitude. Pour avoir accepté spontanément d'être le parrain de cette cérémonie. Quant à nos chers professeurs, sachez que nous ne trouverons jamais les mots juste pour vous exprimer toute notre reconnaissance. Vous avez su, par votre sens du devoir et de la responsabilité, votre rigueur dans le travail, votre dévouement sans faille à notre service, ainsi que votre esprit d'ouverture, planter en nous le drapeau du savoir et de la vertu. Oui, chers professeurs, vous êtes des soldats dont la mission principale est de former les élites de demain.